Bonjour à toutes et à tous, c'est Pyrux, et oui, on se retrouve pour le dernier React de Bleach de cette année. De cette année, oui, dernière fois qu'on va regarder du Bleach, et après on va devoir attendre un petit peu. Pas trop longtemps, on a eu de la chance avec les annonces récentes, on aura donc la suite, la partie 2, dès juillet 2023, donc finalement l'attente sera beaucoup plus courte de ce qu'on avait espéré. On avait espéré que ça soit pour en fait, Noël prochain, enfin du coup un peu dans la même période que cette année, mais l'année d'après. Finalement, on y gagne quelques mois. Donc c'est cool, ça arrive plus vite que prévu. Et donc j'espère qu'on va se faire plaisir sur ces deux épisodes. Comme d'hab, je suis en stream, donc les gens me disent clairement que c'est la hype totale ces deux épisodes, que c'est limite tel un film d'animation dans le rendu et dans le découpage. Moi j'ai hâte de voir ça. Allez les gars, on va lancer ça. ないとしてよいのじゃな。他には何も特筆すべきことはなかった。Évidemment! Qui va pas le dire? はい、他には何も。Mais Shin, c'est vraiment le. C'est le bon gars, hein, franchement. Tu vois, ces scènes-là. C'est cool comme c'est fait, c'est cool. On les ressent vraiment différemment dans le manga. Ah, c'est vrai, c'est vrai. Ouah, et vous remarquez quand même que Ourara, il est partout. C'est pour ça que ce personnage, tu peux pas ne pas l'aimer. Il est partout dans tous les mauvais et bons coups. Moi, je trouve que franchement, jusqu'à présent, la relation qu'ils veulent faire. Enfin, la relation. Oui, la relation en fait, qu'ils veulent faire en sorte de faire croître, parce qu'on le voit là de toute façon, qu'ils veulent faire croître, est beaucoup plus intéressante dans l'anime, parce que justement, en manga, ça va. Je trouve que ça va assez vite. Et en vrai, je pense que sur papier, c'est peut-être plus dur de faire passer certaines émotions, comme un regard amoureux, comme un. Et en fait, là, quand tu regardes les scènes, t'as l'impression, vraiment, t'es en mode, t'as juste envie de te smile en mode, ah oh, putain, c'est ça l'amour, c'est ça. Ryuken, on ne plaque pas les femmes contre un mur, tout de même. C'est intéressant comme c'est fait. Ah oui, c'est. C'était immédiat comme ça, je m'en rappelais plus. Bam bam bam, un petit trou, allez hop. Mais Ryuken, pourquoi ils ont pas développé plus sur lui, bordel? Il y avait tellement de choses à faire! De plus, on va dire. Ça, c'est l'encre en scène, ça aussi. On bat les couilles qui tu es! Il fait confiance au premier pas sans bordre. Et vous savez ce qu'il va répondre forcément. Mais vous savez ce qui se passe après coup. C'est pour ça qu'Ishin, on peut que le respecter. On peut que le respecter, frérot. Alors en fait, je me dis, est-ce qu'il accepte? Parce qu'en vrai, il a pas tout compris ce qu'il racontait au Rara. Et ici, de toute façon, allez, vas-y. À mon avis, il avait pas tout capté, il a fait vas-y. Elle m'a sauvé. Je la sauve. Il fonctionne comme ça, c'est très basique. Bam bam. Mais là, des principes forts, des principes qui font plaisir. Et des principes qui sont en lien avec Masaki aussi. C'est ça qui est intéressant. Oh, c'est pas mal fait ça.
ce petit passage là, là. Allez là! Oh, je me rends compte! C'est la même pose quand Ichigo il sauve Rukia là. Quand il va la sauver. Il la porte comme ça là. Comme un petit sac. Ma vie vous a toujours appartenu. C'est des mots forts quand même. Hein. Ah, c'est beau, putain de merde. Ouais, je parle pas beaucoup, hein, mais parce que je suis en train de d'absorber tout ce qu'on me donne là. Là, ils expliquent en fait tout ce qu'on n'avait pas comme réponse hein, par rapport à Aishin, et ça, c'est fou. Hein. T'imagines, c'est que au chapitre 535 que tu comprends le pourquoi du comment de la clinique, de tout ce qu'est Ishin en fait. Enfin, je trouve ça fou. Tout ce qu'il a pu faire pour sa future femme. C'est l'amour! C'est tout! C'est l'amour, oh frérot! Tu sais, c'est les premiers moments d'amour, c'est trop bien ces premiers moments. Oh, j'ai les frissons, sa mère. C'est beau, hein. C'est beau, là, Fantel. Non, il y a encore un truc, hein. Waouh! Oh, cet épisode il est d'une puissance émotionnelle, mais dans le bon sens, tu vois. Waouh! Ah, il y a les post-crédits? Ah, oui, effectivement. La puissance émotionnelle de ce qu'on vient de voir est folle. Putain, j'en ai les frissons quand il parle de sa femme comme ça, c'est dinguerie. Et là, vous aurez une réponse assez intéressante parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais dans Bleach, il y a des dates. Il n'y a pas toujours les dates dans les animes, les mangas. Et les dates, c'est pas anodin. Là, il le redit le 17 juin. Grand c'est pendant la perdue. Par contre, rappel, Ichigo pense que c'est juste sa faute à la base, tu vois. Donc ça lui change tout le truc. C'est incroyable. Parce que là, il est en train de se dire, attends, ce qu'il m'a dit là, c'est pas du fait. Ouais. Ça a tout son sens. Ces mots ont tout son sens. Oh là là. Comme il est décidé. Comme son père. Il lui faut pas beaucoup là à réfléchir. Paf, pam, on prend la décision. Il lui a expliqué. Il a compris. Les émotions sont là. Hein. Sincèrement, ils font le taf. Hein, ils font le taf. Il y a beaucoup de choses à dire déjà, mais c'est très très bien fait. Et là, on se rend compte que tu vois le plaquage au mur de Ryuken, comment il s'appelait ? Katagiri ? Enfin, qu'il a fait à Katagiri, n'est pas anodin, hein, parce qu'ils l'ont expliqué très rapidement pour le coup, parce que je trouve que dans le manga, c'était beaucoup plus
T'as pas l'œil, j'ai l'impression. Là, ils l'ont un peu mis en mode tranquille et tout. Donc on comprend que du coup, la mère d'Ishida, c'est Katagiri là. Et Ryuken, moi ce que je voulais dire à l'époque, juste avant. Mais moi ce que je voulais dire par rapport à Ryuken, si ce n'est que c'est dommage, ils auraient pu développer un truc de fou autour de lui. Et ils ont voulu ça rendre un peu plus énigmatique. Et voilà, hein, c'était un choix qu'ils ont pu faire. Mais il y avait moyen de faire un truc avec lui. De plus, il y avait vraiment un truc, un trio, tu vois. Le petit Ishin, Masaki et lui. Et on le voit, hein, que. Moi je pense, hein, que pour moi, Ryoken, il était en vrai, outre le fait qu'ils doivent sauver sa race, machin, la race de sang pur, je sais pas quoi. Enfin, sauver, les garder, on va dire. Il y avait un délire, il était amoureux. Ryoken était amoureux. Mais pas Masaki. De plus, ils n'avaient pas du tout la même vision de la vie. Et du coup, je pense qu'il l'a libéré, enfin il l'a libéré en guillemets comme ça, en mode vas-y, je vais pas la forcer de toute façon. Je vais pas la forcer. Et je pense qu'il a fait. Enfin, il doit se dire qu'il a fait le bon choix. Et du coup, voilà, il s'est tapé la servante. Bon, ça c'est un détail, tu vois. Il faut bien que bon, la frustration se passe autre part. Il s'est fait cousiner, ouais, c'est ça. Il s'est fait un petit peu cousiner, compliqué, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Pour moi, lui, il kiffait sa race, mais malheureusement, on peut pas forcer les gens. Mais bon, après, dès le début, il avait dit, voilà, je veux pas la forcer et tout. Donc, il était en mode, moi je l'aime bien, il n'y a pas de problème. Moi je signe, hein, tu vois. Mais bon, s'il ne veut pas signer, on la force pas tout de suite, il n'y a pas de problème. Franchement, je sais pas comment les gens peuvent dire que c'est mal écrit Bleach avec tout ce qu'on a eu en cette partie 1. Parce que tout a été expliqué là, vraiment. Rien n'est laissé de côté, quoi, je veux dire. Il y a tellement d'explications à des choses qu'on pensait être random. Non, 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 c'est pas random. Tout est expliqué. C'est pour ça que je suis content que la partie 1 est sortie là. Ah là, il n'y a plus d'excuses. Hein. Pour ceux qui sont ignares, on va dire. Vous pourrez leur montrer les épisodes en question, mais. Incroyable. Maintenant qu'il sait, qu'il connaît ses origines, il se connaît lui-même finalement. Il sait où il va, surtout aussi. Ils sont tous à terre là en mode, il n'y a pas de problème. C'est qui qu'on va voir les gars? C'est qui qu'on va voir les gars? C'est qui? Bien sûr, ça reste lui. Ceux en fait qui parlaient mal de Bleach, c'est parce qu'ils n'avaient pas lu la fin. Et chaque fois, j'avais la flemme de leur dire, mais lis les chapitres de temps à temps, de toute façon, t'auras tes réponses. Non, mais j'ai pas lu la fin de ça, laisse ça, j'ai pas lu les Fullbring, je sais pas quoi. Ok, frérot, vas-y. Là, il n'y a plus d'excuses, là, frère. Il n'y a plus d'excuses. On a toutes les explications écrites noir sur blanc. Écrites en couleur même. Non, mais là, vous n'êtes pas prêts à ce qui va se passer. C'est ça qui est drôle, hein. Et ça qui est trop bien. Là, je me rends compte de la richesse encore plus de l'arc. Même si moi, de base, je défendais, hein, corps et âme, l'arc. Mais je pouvais comprendre les quelques frustrations qu'on a pu avoir dessus. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais j'ai toujours défendu et je défendrai toujours le fait que non, c'est pas un arc mauvais, c'est pas un sous-arc. Là, faut vraiment arrêter. En vrai, Kensei, je le trouve vraiment trop stylé. Dommage qu'ils l'ont pas plus montré que ça, mais. Il a vraiment un flow, mais stratosphérique. Hein. Ah, il y a eu un petit bug là. Hein. Allez, ça titille. Ça titille un petit peu. Ah, c'est bien parce qu'en fait, ils vont nous montrer tous les. Voilà, les potentiels power-up de certains persos pour les parties plus suivantes. Hein. Évidemment, Mayuri n'ira pas de main morte. Hein. Ah là là, mais j'ai droite! Bon, elle, on sait que. Bon, elle a un petit peu de retard. Hein. Temps de puissance, on l'a vu. Hein. Elle parle trop, Siphon. Donc, logique qu'elle s'entraîne. Oh là là, ça, par contre! Allez, au calme, allez, vas-y, bam, dans ta gueule! Allez!
Mais c'est fou en vrai. C'est fou. C'est vrai qu'il voulait pas au début. Au tout début, il voulait pas se montrer. Attention, là c'est important, là c'est important. Ah là 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 là. Comment ça on tape son petit-fils là? Son petit-fils. C'est arrière-grand-père? Ou grand-père, je sais plus. Il a dit quoi? Je sais plus ce qu'il a dit. Mais là, vous n'êtes pas prêt pour comme Amoura. Hein. Alors c'est un peu what the fuck de mémoire. De mémoire c'est what the fuck. Fais-nous rêver. T'es là, t'étais dans un moment épique, en mode vas-y viens à moi et tout. Et là t'as lui là qui fait ses bails. Party time. Mais tu sais que je me rappelle même. Même pas. Je sais même pas qu'ils étaient autant. On voit que c'était un peu what the fuck. C'est une petite musique de Mario et hop là, c'est parti. On dirait pas la musique de Mario ou pas? Ah oui, c'est vrai. Aïe. Ah, je me rappelle de lui ou elle, je sais pas, on dirait Mini Mugetsu. Il ressemble un peu. Oh par contre quand il enlève ses lunettes et qu'il se coiffe, c'est plus le même homme. Oh c'est plus le même homme. Là tu comprends le délire d'Aizen, genre comme il a réussi à faire ça. T'sais. Le nombre de génies dans cette œuvre, c'est incroyable en vrai. Dis-les termes. Eh oui. Et là on comprend et ça confirme encore plus. Ça confirme encore plus que Kubo pensait déjà à son arc final, en fait, dès le début. Dès le début, les gars. Ça confirme, là. Encore plus. Tout est lié. Depuis le début. Ah, c'est bon, il a percuté. Oh, le silence encore. Le silence. Encore le silence. Mais comme c'est bien utilisé. Oui. À chaque fois qu'il avait besoin d'un pouvoir, à chaque fois. Et oui. Incroyable l'ambiance là. Oh là 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 là. Vous voyez comme c'est profond, bordel de merde. Oh là 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 là. Waouh. Putain, mais qu'est-ce que c'est fou. Et ça ferme la gueule à tous les gens
qui pensent que Ichigo c'est des power-ups de merde. Bordel, ça, j'attendais ce moment, mais cet épisode. Tout a été calculé. Tout. Ichigo est celui qui a les power-ups les plus travaillés. Des héros de Shonen, laisse tomber. Depuis le début, on l'avait sous les yeux. Depuis le début, tout expliquer pourquoi il a ça ou ça. La meilleure OST. Oh là là, vas-y. Allez. Allez. Ça me rappelle son premier Bankai. Ça me rappelle son premier Bankai. Il a fait tout trembler. Je palpite mon cœur, il palpite sa mère. Il bat la chamade. Putain. Il est trop stylé, sa mère. Oh là là, oh là 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 là, les gars, oh là 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 là, mais qu'est-ce que je viens de voir, mais qu'est-ce que je viens de voir là, qu'est-ce que je viens de voir là. Osez me dire, man, osez venir me parler de Bleach en mal là, par rapport à Ichigo, osez me le dire, osez me le. Non mais c'est bon, allez, vas-y, c'est bon. Mais là, on est en train de vivre. Là, on comprend ce que ça veut dire, sublimer. Bon, parfait. On comprend exactement ce que ça veut dire, sublimer le manga. Là, on a la traduction littérale du sublimage d'un manga. Ce qu'on vient de voir, là. Je sais pas si c'est normal. Mon cœur, il palpitait comme si je découvrais la scène. C'est pas normal. Si, c'est normal. Si, c'est normal, en fait. C'est normal, parce que j'aime Bleach. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Ça, c'est ce qu'on appelle sublimer un manga. Là, en deux épisodes, on a à manger tellement d'infos pour ceux qui sont animoli, mais vous devez être en PLS cosmique, à quatre pattes, foetus, et en mode, qu'est-ce que je viens de voir? On vient de voir le couple le plus insane de l'œuvre, ah, la plus mims de l'œuvre, la plus incroyable, la plus solaire, la plus, tu vois, t'as envie de sourire quand tu penses à eux. Et en même temps, t'es triste parce que voilà, Masaki n'existe plus, malheureusement. Et Ichigo, de toute façon, chaque fois qu'il parle à ses pouvoirs en soi, à Zangetsu. Ou du coup, à Jua, indirectement, même si on avait bien compris que c'était pas Jua. C'est ça qui est perturbant, c'est qu'en fait, c'est pas Jua. Il ressemble à Jua parce que c'est les pouvoirs de Quincy qui sont représentés par, du coup, physionomiquement par Jua. Et ça qui est beau. C'est que t'as l'impression que même Ichigo a réussi à faire un peu changer la manière dont ses pouvoirs issus de Jua pensent, tu vois. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Alors, qu'est-ce que nous réserve? この世界を越えてもらう。なんだってこうやってやるさ。だからみんなまとめてひっくり返した。これが本当の袖の。あ、いやいやいやいや、calme-toi。何言ってんだよ、イサ。お前には陛下を止めることはできない。ああ、いや、てもん、トリック。なんでお前がそこにいるんだって聞いてんだよ。
Allez. Allez, oui. Tout ce qui nous attend, les gars. C'est que la partie 2, sa mère. C'est que la partie 2. Ce qui est incroyable, c'est que... Voilà, ils en montrent pas trop, mais ils en disent pas mal. Ils en disent pas mal, quand même. Hein. Bon, on a capté que plein de persos allaient... Oh là là, cette image. Plein de persos allaient un petit peu up. Hein. On avait compris là que c'était un peu la phase power-up de un peu tout le monde. Et c'est nécessaire. Mais encore, on ne connaît pas non plus tous les Star Eater. Hein. Je sais pas si on se rend compte. On l'a vu tellement peu, en soi. Ah non, mais c'est juste inimaginable. C'est juste inimaginable. Et ça, ça annonce la partie 2. La partie 2. La partie 2. La partie 2. 2 sur 4. Non mais voilà. Je peux vous dire franchement, sans exagérer, que c'est que la partie finale de Bleach, c'est une des fins d'arc de manga Shonen Neketsu les plus fournies. Les plus fournies. Ça veut pas dire que c'est forcément les plus incroyables ou les meilleurs, mais les plus fournies, ça je vous le dis. Ça je vous le dis. Oh là là. Non, franchement, incroyable. Incroyable. Par contre, je propose, pour ceux qui sont en mode un peu redécouverte, ils ont un peu oublié ce qui se passe dans le manga, ne relisez pas. Ne relisez pas le manga. Attendez juste juillet. Attendez juillet pour kiffer votre race. Vraiment, attendez juillet pour kiffer votre race. Parce que ça va être incroyable. Vous allez justement redécouvrir le truc. Voilà, moi je fais ça. Hein. Moi je l'ai pas relu. Moi j'ai pas tout relu la fin. Hein. C'est pour ça que moi j'ai jamais voulu faire de contenu sur la fin du manga 2, hein, parce que je voulais pas spoiler les gens. Dans le sens que c'est bête, ça a été annoncé la fin, donc je voulais pas parler de la fin. Donc c'est pour ça que j'ai jamais voulu parler de la fin. C'est un choix que j'ai fait, personnel. Il y a d'autres youtubeurs qui parlent de la fin. Pas de soucis. C'est un choix. Et du coup, leur commu, voilà, s'ils regardent leur contenu, c'est qu'ils connaissent la fin. Hein, principalement. On va dire le trois quarts, tu vois. Moi, je voulais pas, je me suis dit, il y a la moitié, ils connaissent pas du tout, peut-être, donc si je leur spoil la fin, c'est dommage. Donc, moi, j'ai toujours parlé de Bleach de manière très générale, généraliste. Mais par contre, là, moi, je vous le dis, pour ceux qui, voilà, qui se rappellent plus trop, ne relisez pas. Faites-vous kiffer votre race, parce que c'est justement la redécouverte va être encore plus palpable, palpitante que palpable. Et donc, voilà. Bref, merci beaucoup pour ceux qui étaient là, qui étaient présents ce soir, ça fait vraiment plaisir. Et je vous souhaite une bonne soirée. Portez-vous bien. Vraiment, je vous souhaite toutes les joies, le bonheur pour votre famille, pour vous, pour qui vous voulez. Je vous souhaite vraiment le meilleur du monde. Et que bah, cette fin d'année soit aussi heureuse. J'espère que vous, même si vous êtes peut-être seul, vous fêtez Nouvel An, bah, j'espère que vous ne serez pas seul. Parce que de toute façon, moi je penserai à vous. Pour ceux qui sont tout seuls, malheureusement, parce qu'il y en a quand même. Après, il y en a, ils sont tout seuls par choix, mais... Donc voilà, donc n'hésitez pas à regarder Bleach, hein. Pour ceux qui sont tout seuls, à re-regarder Bleach, pour un nouvel an, je pense que ça peut être pas mal. Pour ceux qui veulent pas sortir, pour ceux qui n'ont pas trouvé de petits plans de nouvel an, ça peut arriver. Moi, en vrai, je fais un truc chill, hein, cette année, c'est à la maison, chez moi, et c'est en petit comité, un peu famille. Donc ça va être vraiment, vraiment simple, mais des fois, la simplicité... Bah, c'est sympa, voilà. Bref, allez, cœur sur vous, à la prochaine. Je vous aime tous, ciao ciao.